La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé le mercredi 27 décembre au lancement officiel de la régionalisation du concours d'entrée dans les centres de formation et d'animation pédagogique, CAFOP. Le recrutement régionalisé, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour les parents et c'est bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre objectif principal, c'est de donner envie aux enfants d'aller à l'école. Notre objectif, c'est également de donner envie aux enseignants d'enseigner. Cette nouvelle disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation s'inscrit dans le cadre de l'application des conclusions des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Grâce à la digitalisation aujourd'hui, on peut résider là où on est, on s'inscrit en ligne, on dépose ses dossiers physiques dans la DRENA de sa résidence et on compose là également, mais au niveau de chaque région, il y a une codification. Si je suis à Abidjan, que je m'inscris pour la Bagoué ou je m'inscris pour le Dengele, il y a un code à l'inscription, c'est ce code-là sur lequel je vais cliquer pour dire j'ai opté pour la région de la Bagoué ou bien pour le Dengele. Et ça, c'est un premier choix. Ensuite, on va donner la possibilité aux candidats de faire 3 choix. 6 000 places sont prévues pour la session 2024 du concours régionalisé pour l'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique en Côte d'Ivoire.